Salut à tous, c'est Lim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la custom du tout nouveau 4x4 parce qu'on vous a pas présenté tous les véhicules hein. Et du coup la salle ce 4x4 c'est le... Ah oui c'est quoi la salle? Le Astron. Astron comme Tron. En tout cas c'est parti, on va montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est le petit 4x4 là. Donc à vous de voter à la fin qui a la plus belle customisation entre la salle et moi. Bah comme d'habitude je pense que ça va être moi la salle. Astron, elle est pas mal, hein. C'est un beau 4x4 hein, quand même. Hein. C'est un beau 4x4, bon Porsche, hein, on l'a reconnu quand même, direct. Et je vais vous montrer le prix quand même du véhicule, les gars. Hop, Legendary. Et il est juste là, voilà, 1 580 000 pour ce 4x4. Qui est d'ailleurs le 4x4 de la femme de Franklin. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Easter Egg, la femme de Franklin, là, ça t'imagines? Et bah oui, et bah c'est sa meuf maintenant, elle a ça quoi. Alors, bah c'est parti, se met bien. go. T'es en train de custom? Bah je t'attends. Bah c'est bon, tu peux y aller. Ok. T'as vu maintenant, t'as les super freins. Super freins, ah bon? Ouais, regarde. Va dans frein, t'as genre super freins, mais genre c'est quoi la différence? J'aimerais bien tester genre frein course, enfin genre super frein, c'est... Quelle est la différence quoi, tu vois? Alors, pare-choc, couleur 2... Franchement, les barres, pour moi, ça reste quand même les meilleures. Même de... Voilà, de série. Ouais, de série, pour moi, c'est le mieux. En vrai, je pense que je vais laisser de série. Alors, pare-choc, par contre, on peut peut-être mettre autre chose. Pare-choc. Genre, ça c'est pas mal du tout. Ouais, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moteur, niveau 4. Ah, t'as vu, il y a moteur niveau 7. T'imagines? Échappement de course, j'aime bien. Hein. Alors, t'as vu, regardez, ils sont un peu bleutés comme ça. Je sais pas si vous voyez. Pas mal. Alors, capot bombé, capot couleur 2, capot en carbone, flèche en carbone, course, pointe de flèche, ventilé, GT, ouais, GT, hein. GT même, celui-là il est pas, non, celui-là est pas ouf, non plus. Celui-là il est beau aussi mais je préfère le GT. Alors klaxon non, éclairage la salle. Phare xénon on met, kit néon on met, par contre la couleur on sait pas encore du coup vu qu'on l'a pas mis. Alors maintenant le motif, qu'est-ce qu'on a en motif? Alors vitesse jaune, bande. Ah oui, super frein mais j'avais pas vu le nom effectivement. Ouais t'as vu c'est stylé. Hein. Ah ouais les motifs sont pas ouf hein, sur ce véhicule. Hein. Le camouflage, ça il est pas main match, pas trop trop non plus beau. Quand on a fini, on se donne rendez-vous. Bah, elle est custom, non? Ou ouais, l'import, ouais. Peu importe. Ouais, elle est custom, c'est bien. La Fister, non. C'est pas non plus ouf, hein, les custom, hein, franchement. En fait, ça va vraiment dépendre de la couleur, en fait, je pense. Je vais mettre noir. Rétro. On va mettre en carbone. Plaque. Plaque, on ne sait pas encore. Peinture. Alors là, c'est là le plus important. Et tout se joue. La peinture du Porsche. Porsche, c'est noir ou blanc, hein, généralement. Non, jaune, c'est dégueulasse. Ou gris, peut-être. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Je suis en train de réfléchir. Blanc. Blanc, c'est pas ouf. Je vais regarder les métaux. En or, la salle. C'est risqué. Couleur crew. Franchement,
honnêtement, là, je sais pas trop, hein. Je vais peut-être mettre en noir mat pour voir. Ouais, noir mat, j'aime bien. Noir mat, c'est pas mal. Par contre, j'ai juste changé le. Attends, du coup, je vais mettre les phares xénon. Ah, tu vois, je commence à faire un beau truc quand même là. J'ai hâte de voir le tien. Moi je suis prêt. I'm ready. Déjà? Non, je vais mettre un petit côté bleu. Un peu électrique, je pense que c'est pas mal. Ok. Alors, motif, par contre, on peut voir ce que ça donne avec d'autres trucs. Genre, maintenant. Alors, le petit côté rouge, c'est pas mal. J'aime bien. Ça, non. 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 Ça fait vraiment. On a transformé le Porsche en véhicule dégueulasse. Camouflage, là, il est pas ouf. Ouais, franchement, je vais mettre ça. Ouais, ça, c'est beau. Ok. Alors, ensuite, t'as fini? Ouais. Je t'attends. Et j'ai fini. Je vais tester un truc. Regardez ce que je suis en train de faire là. Ça, c'est beau là, ce que je suis en train de faire. Tu vois? Là, je suis en train de faire un beau truc. Non, par contre, le bas de caisse. Ah, attendez. Comme ça, c'est pas mal, hein. Aileron. Ah ouais, il y a carrément deux ailerons. Non, par contre, l'aileron pas en rouge. Comme ça, c'est bien. Ouais, comme ça. Pare-soleil, on laisse normal. Ouais, normal. Suspension. Bah écoute, là, ça, j'ai bientôt fini. On va voir ce que t'as fait, hein. Les roues, je pense que. Les roues, on peut mieux faire, non? En termes de roues. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'elles sont pas terribles. Genre, celle-là, j'aime bien. Moi, j'ai Si j'ai une changé en tout rouge. cas. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ça donne un petit style. Hein. Attendez, je vais juste regarder. Bah attends, parce que moi, tu vois, je suis vraiment. Je vais voir si avec d'autres roues, ça peut mieux le faire ou non. Non. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Eh ben, écoute, je crois avoir fini. Et franchement, voilà ma customisation, les gars. Incroyable. Je kiffe comment je l'ai fait. Honnêtement, je suis plutôt satisfait du rendu. Je sais pas, t'es où. Mais moi, je kiffe, LS quoi. System. Toi, les custom. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Bon, par contre, c'est vrai que le 4x4 est ultra puissant, là. Ça, je sais pas ce que t'en penses. Puissant, ouais. Ultra, je sais pas. Il est très, très puissant et surtout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une bonne tenue de route. Hein. Et il y a des joueurs qui l'ont testé en parcours, tu vois, et il est pas mal. Du tout. Alors j'ai hâte de voir comment la salle va le faire. Attention, à vous de voter dans les commentaires quel est le plus beau. Ah, t'as mis la fameuse bande. Alors? Bah Tiki? moi j'ai essayé de pas mettre la bande hein, parce que on me reproche de trop souvent mettre la bande. Attends, viens, viens, suis-moi, on va aller dans le là où il y a la lumière, là, viens. C'est juste là, là. T'as vu, il est puissant quand même, hein. Ouais, pour un 4x4, ouais. Ici, il y a la lumière, là. Voilà. On va pouvoir bien regarder. Alors, je me mets en première personne. Alors, du coup, mon 4x4 à moi, voilà. Très, très, très beau. Je kiffe. Ce petit côté noir rouge que j'ai fait. Et la salle, bah pareil, il a fait noir et rouge, mais en métallisé. Et avec le motif. Bah, le motif qu'on avait dit là. Et moi, j'aimais pas trop le motif là, franchement. Ouais, mais sur les feux, ça ressort bien, c'est tout. Voilà, à vous de voter numéro 1 pour Onune. Enfin, la salle ou Onune, vous votez.
Regarde mon véhicule de devant. On dirait pas Spider-Man ou Deadpool. Ouais, c'est vrai qu'on dirait Spider-Man. Pas Deadpool, mais Spider-Man. Ah, Deadpool aussi, ouais, au niveau d'effort. Ouais, c'est vrai. Mais, tu vois, je préfère le mien, quoi. Moi, si dans la vraie vie, j'en choisis un, je prends le mien direct, quoi. Ouais, mais si tu prends le mien, peut-être que Spider-Man viendra à toi. Même si tu prends le mien, les meufs viendront à toi. Et ça fait toute la différence. Je rigole. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous de voter, la salle ou la nuit, pouce bleu.